Voici un épisode qui va nous permettre de comprendre ce que nous cache l'électronique d'une cartouche tonnerre pour imprimante laser. Et vous allez pouvoir constater pourquoi on peut aussi avoir des doutes et des craintes quant à l'efficacité de son principe de calcul de la consommation. Il y a un peu plus d'un an, c'était au tout début de la chaîne, je vous avais proposé une brève dans laquelle j'analyse l'électronique d'une cartouche pour imprimante à jet d'encre Canon. Et c'était dans le but d'essayer de comprendre si c'était ces composants qui faisaient que le prix de revient était encore relativement élevé malgré toutes ces années. Et donc pour ceux qui ont vu la vidéo, je mettrai quand même le lien à la fin, vous avez pu constater que ça n'était pas probant. Et aujourd'hui, cette nouvelle brève va être consacrée à analyser le toner d'une imprimante couleur laser Ricoh, et plus particulièrement son électronique. En fait, je viens de remplacer le toner noir de mon imprimante laser Ricoh SP312DN, qui est ici dans mon bureau, et je me suis dit que ça serait l'occasion de voir de quoi il est constitué, et si là aussi je trouve quelque chose qui pourrait justifier le prix non dérisoire de 95€ pièce de la marque. C'est en moyenne le prix qu'on trouve sur Amazon par exemple. Donc voilà, direction le labo. Voilà donc à quoi ressemble une cartouche toner pour ce modèle d'imprimante. Et ce que vous voyez au premier plan est le tambour photosensible sur lequel l'encre est déposée. Alors ne vous attendez pas à ce que j'aborde dans cet épisode le principe de l'impression laser, ça n'est pas vraiment le sujet. Vous voyez ici la seule composante électronique visible de l'extérieur, un minuscule circuit imprimé, et je suis prêt à parier qu'il y a un circuit intégré sur l'autre face, mais on verra bien. Et de l'autre côté de la cartouche, on peut remarquer deux languettes, mais je ne sais pas encore si elles représentent des bornes polarisées ou autre chose. Je commence donc par démonter méticuleusement chaque partie, il y a 4 vis en tout. Vu qu'il n'y a plus rien qui retient les côtés, je peux retirer le bloc avec le petit circuit imprimé. Ok, comme je l'avais pressenti, il y a bien un circuit intégré en boîtier type SSOP, par contre la référence ne me dit absolument rien, mais c'est pas grave, on verra ça dans un instant. Je continue le démontage, et ça m'étonnerait pas qu'il y ait du tonnerre noir qui s'écoule un peu de ce côté, voilà, c'était prévisible, d'où la présence d'un torchon sur mon banc de travail. Donc il va être préférable que je mette des gants pour éviter d'en avoir un peu partout sur les mains. Et c'est bien sûr par ce bouchon gris que l'on insère l'encre en poudre dans le réservoir. Je vais maintenant retirer le second côté qui retient le mécanisme destiné à entraîner le tambour photosensible vert. Ce rouleau qui est fait à base de semi-conducteurs photosensibles, d'aluminium et de verre, est un peu la clé de ce type d'impression qui fonctionne par électrophotographie. Bon, comme vous le voyez, il n'y a rien d'électrique par rapport aux languettes en métal, par contre, il y a quelque chose dans ce boîtier. En fait, ça n'est ni plus ni moins que le mécanisme d'entraînement du tambour à partir d'une courroie en caoutchouc, qui, comme vous pouvez le voir, baigne dans du tonnerre. Je suppose qu'il est assez difficile de faire en sorte que la poudre évite de s'accumuler ici. Ici nous sommes au niveau du réservoir et je ne sais pas quel est le rôle exact de cette spirale vis sans fin, par contre ce cylindre est très certainement le rouleau développeur, et je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est en retirant ce bouchon hermétique que l'on ajoute l'encre en poudre dans la chambre réservoir. Mais on regardera dans un instant ce qui reste encore comme quantité d'encre pour une cartouche considérée comme vide par l'imprimante. Et pour info, les particules du toner sont tellement fines que quelques-unes ont traversé les fibres du torchon et sont tombées sur le banc de travail. Ok, on va maintenant s'intéresser de près à cet élément électronique qui regroupe tous les composants sur une face et 4 broches de connexion sur la face exposée vers l'extérieur, et ça se retire en cassant ces deux disques noirs. Alors j'ai d'abord cherché à faire la correspondance entre les vias pour connaître les pistes reliées à ces broches, ça va nous être utile. Mis à part la puce, le circuit n'est constitué que de 4 résistances et un condensateur céramique de découplage, plus 5 points de test. Et voilà les deux autres vias qui correspondent aux broches. Alors le plus problématique, c'est que je n'ai trouvé absolument aucune référence de ce circuit intégré, et pourtant j'ai pas mal cherché.
J'ai voulu faire la comparaison avec le circuit d'une autre de mes cartouches et j'ai constaté quelques changements, mais rien de très sérieux. C'est juste une adaptation électrique par rapport à une version différente du circuit intégré. Ça va être évidemment compliqué de trouver la nature de cette puce, mais j'ai cherché à faire une déduction du brochage par rapport aux pistes et aux vias. Donc déjà, il y a les broches 2 et 7 qui sont en l'air, c'est-à-dire connectées à rien. Les 4 groupes que j'ai identifiés sont les broches 1, 3 et 4, la broche 8, la broche 6 et la broche 5. Et selon mon analyse, on aurait la masse ici, de par le lien avec les pistes représentant le plan de masse, puis la tension d'alimentation ici, sans doute comprise entre 3 et 6 volts, et pour les deux autres, je ne peux que supposer qu'il s'agisse d'un signal d'horloge, ou d'un signal d'entrée, ou encore d'un signal de sortie. En tout cas, c'est comme ça que je vais tenter de tester ce composant, sans compter qu'il y a 5 points de test que j'ai représentés en noir ici, et qui ne sont pas placés là par hasard, donc je les sonderai aussi. Bien entendu, j'avance un peu à l'aveugle ici, et pour tenter d'en savoir un peu plus, je vais déjà greffer 2 fils à ces broches, ce qui me permettra de manipuler le circuit avec plus de facilité. Donc le fil bleu sera celui de la masse, et le rouge celui de la tension d'alim. Maintenant, je vais devoir me livrer à un petit exercice de test, pas sûr que j'aboutisse à grand chose, mais ça ne coûte rien. Je rappelle que le but est d'essayer d'identifier à quoi sert cette puce dans cette cartouche tonnerre. J'ai réglé mon alim sur 5 volts pour 0,5 A et j'injecte un signal sinusoïdal de 50 kHz à travers la troisième broche plate avec une amplitude crête à crête de 2 volts. L'oscillo est réglé sur une basse tente de 500 mV par division, sa déviation verticale est de 500 ms et là je sonde la quatrième broche plate et on trouve un signal étonnamment ralenti et décalé en tension. Si je double à 100 kHz, on voit en effet que le signal est aussi doublé, mais équivalent à 2 Hz, soit 50 000 fois moins. Je ne sais pas encore ce que ça signifie, mais au moins ça prouve une chose, je ne me suis pas planté sur la masse et le VCC. Je switch sur les points de test, là je retrouve les 5 volts en entrée, bon, il n'y a rien de très intéressant. J'inspecte cette fois le signal à travers la quatrième broche plate et je sonde la troisième. On retrouve la nature du signal sinusoïdal, mais avec une amplitude ridicule. Bref, ça ne va pas m'aider pour identifier un comportement connu, donc je vais changer de stratégie et essayer de passer par une analyse visuelle de ce composant. Et je suppose que vous avez compris ce que ça sous-entend, je vais extraire le circuit intégré du boîtier pour examiner au microscope la topologie de la circuiterie, ce qui me donnera sans doute plus de chances d'en déduire la fonction de cette puce. Allez, c'est reparti. Alors c'est une manip que je fais assez couramment, vous l'aurez remarqué si vous suivez les épisodes de la chaîne, donc je ne vais pas m'attarder ici sur la technique utilisée. Mais en gros, je vais dissoudre l'époxy du boîtier dans de l'acide sulfurique concentré à 96% et chauffer à des températures comprises entre 150 et 170 degrés. Donc oui, c'est dangereux, d'où les grandes précautions de sécurité que je prends, et je vous déconseille d'en faire autant si vous ne savez pas vous y prendre. La fumée blanchâtre est très toxique, vous vous en doutez, et même avec ce masque à gaz professionnel, je reste à bonne distance. Pour réguler la température, je retire régulièrement le récipient en céramique et je le replace sur la plaque chauffante une fois qu'il est redescendu autour des 140 degrés. La petite pastille carrée à gauche est la puce de silicium. C'est le second bain, le premier sert à dissoudre le gros du boîtier, le second à nettoyer les résidus et parfois il en faut un troisième. Et une fois qu'elle semble prête, je la plonge dans de l'acétone à température ambiante. Et ensuite, je lui fais subir un bain aux ultrasons de 3 minutes dans de l'eau déminéralisée. On peut donc maintenant l'observer au microscope de surface. Alors, je peux déjà identifier 3 blocs distincts. Une partie analogique à gauche, une matrice de transistor calibrée pour de la mémoire au centre, et à droite, une topologie discrète qui doit sans doute gérer la partie logique. Et dans cette portion analogique, il semble y avoir pas mal de composants passifs pour filtrer et réguler localement le courant, et aussi pour le booster. Et sa position juste à côté de la matrice mémoire me fait dire qu'une partie de ce circuit analogique aide à produire l'effet tunnel nécessaire pour stocker les données. Donc ça peut avoir un rapport avec de la mémoire flash. Concernant la circuiterie de droite, j'ai déjà vu ce type de topologie de transistor dans des portes logiques ou des interfaces qui gèrent des bus de données en transit entre des modules distincts. Donc il est probable qu'elle se charge de calculer l'adressage des données à stocker dans la mémoire, mais pas que ça, sans doute une sorte d'interface. J'ai compté 8 rangées distinctes, donc elles doivent probablement former un octet. Par contre, il est difficile de savoir de combien de registres il est question. On verra peut-être mieux en zoomant. Je dirais probablement 256, donc au total ça ferait 2 kilooctets de mémoire flash, voire même peut-être une IPROM, une mémoire morte programmable électriquement. Alors figurez-vous qu'il y a un petit rebondissement de dernière minute, donc j'ai fait un peu tout ça pour rien.
parce que en continuant à chercher un peu plus profondément, j'ai fini par trouver chez un obscur fournisseur de composants électroniques chinois une référence qui correspond parfaitement bien à celle du circuit intégré qui nous concerne. Donc j'ai trouvé le datasheet et en effet, je ne m'étais pas trompé, il s'agit bien d'une EEPROM, mais avec une interface I2C. Eh bien oui, une EEPROM, ça prend tout son sens dans une cartouche de ce type, un peu comme une cartouche pour imprimante à jet d'encre d'ailleurs. En fait, ce composant ne sert absolument pas à savoir avec précision combien il reste d'encre dans le réservoir, il n'en a absolument aucune idée. Il est juste là pour stocker dans une EEPROM une estimation calculée par l'imprimante de la quantité de toner qui est consommée au fur et à mesure des impressions. Mais à mon avis, ça doit être d'une précision affligeante. Par contre, si vous retirez la cartouche toner usagée d'une imprimante pour la placer dans une autre, la seconde connaîtra tout de suite l'état du consommateur. C'est la raison pour laquelle ils ont choisi une interface I2C. Cette EEPROM stocke et renseigne de son contenu selon la commande qu'elle reçoit. Alors j'ai fait une estimation du coût de fabrication de ce type de pièce basée sur des infos trouvées sur le net. C'est juste la fabrication, hein, parce qu'il est difficile d'estimer le coût de recherche et développement. Et voilà sur quoi je tombe. Je rappelle quand même qu'elle est vendue en moyenne autour de 90 euros, donc même si je n'ai pas pu inclure tous les coûts, on est quand même bien pris pour des pigeons quand on achète ça tout neuf. Et pour conclure sur le sujet, il nous reste quand même à voir ce qui n'a pas été consommé et qui est donc toujours dans le réservoir alors que mon imprimante m'a obligé à changer de cartouche puisqu'elle n'acceptait plus de faire une seule impression de plus. Et là je dois dire que j'hallucine complètement et d'ailleurs ça se passe de commentaires. Voilà, donc tout cela provient encore d'une cartouche considérée par l'imprimante comme trop usagée. Je pense qu'il est quand même grand temps que les constructeurs revoient leurs algorithmes de calcul de consommation, à moins que ça soit tout à fait volontaire de leur part. Et pour finir, j'ai mesuré que ce qui est sorti de ce réservoir correspond à environ 20% de sa contenance. La cartouche neuve est donnée pour 6500 copies, donc à mon avis, on pourrait facilement atteindre les 8000 quand on voit ce qui reste en fin de vie. Voilà, si vous avez aimé cet épisode, pensez à y mettre un pouce vers le haut, et même à le partager si vous estimez que son contenu mérite d'être vu par un plus grand nombre. À bientôt !